Deuxième épisode. Quel bruit de fête dans la plaine. Partout résonne une chanson, car c'est le jour de la moisson. Et toute grange sera pleine. Voyez, sous les coups redoublés de la faux qui tourne et travaille, comme sur un champ de bataille, tomber les escadrons des blés. Ah, quelle javel superbe! Dieu nous prodigue un vrai trésor. Seigle froment aux graines d'or, quel beau bouquet nous font vos gerbes. Or, comme la faux va toujours, frappant dans la récolte mûre, l'un de nos doux épis murmure, hélas, c'est fait de nos beaux jours. À quoi donc nous sert-il, mon frère, d'avoir vu le printemps fleurir, puisqu'il nous faut l'été mourir? Car voici l'heure funéraire. Pour y songer en ce moment, il est bien tard, lui répond l'autre. Chacun sa tâche, la nôtre, c'est de produire du froment. Il dit, et la scie étincelle. Et voilà nos épis fauchés, et tous deux sur le sol couchés, au beau milieu d'une javel. Comme on engrange la moisson, et le maître qui la visite, hors d'ici, l'épi parasite, puis il expulse sans façon. Cet apologue nous l'enseigne. L'homme utile est seul respecté. L'homme inutile est rejeté. C'est l'épi vide qu'on dédaigne.